Kazakhstan. La mer d'Aral. Non. Baltique. Non. Caspienne. Oui. Dans quelle ville se déroulent les enquêtes de Murdoch, célèbre inspecteur de la série télévisée éponyme? Toronto. Oui. Sous quel autre nom connaît-on le roi de France, Charles Ier? Charles Chaud. Non. Charles V. Non. Le fou? Non. Charlemagne. Oui. À quel écrivain du 19e siècle doit-on la phrase « La taquinerie et la méchanceté des bons » Hugo. Oui. De quelle main est l'actuel papa mobile du souverain pontife? Non. Fiat. Non. Mercedes. Mercedes, oui. Ah non, c'est pas bon, c'est Lada. Fiat Lux. Quel chanteur-compositeur français était surnommé Monsieur 100 000 volts? Gilbert Beco. Oui. Sous quel autre nom connaît-on l'amphithéâtre Flavien à Rome? Louis. Oui. À quel poète militaire français, né à Saint-Omer en 1836, doit-on le tableau intitulé « Les dernières cartouches » Le baron Gros? Non. Denneville, Alphonse. De quelle couleur sont les nuits sans sommeil? Blanche. Oui. À 3 décimales après la virgule, quelle est la racine carrée de 3? 1732. Oui. Du genre Anoma, quelle fourmi noire d'Afrique très vorace, mise en formant d'une fourmi processionnaire? Non, d'immenses colonnes dévastatrices. Fourmi rouge? Non. Magnan? Oui. Le Magnan. À quel siècle fut fondée la religion islamique? 7e siècle. Oui. Dans les pays anglo-saxons et germaniques, à quelle lettre correspond la note de musique La? B? Non. B? Non. C? Non. A? Oui. Quel personnage de bande dessinée, enfant adoptif de Popeye et d'Olive? Mimosa. Oui. Quelle douleur persistante est appelée communément tour de rein? Lumbago. Oui. Dans le film Les Coris, sorti en 2004, quel jeune acteur incarnait Pierre Morange? Mounier. Oui. Sous quel autre nom connaît-on la rose de Noël? Virginia. Non. Pélibor. Oui. En escrime, à quel endroit précis est portée la célèbre botte de Nevers? Entre les yeux. Oui.